Nous sommes un collectif d'audits citoyens qui travaillons sur les questions de dette, de banque, de finances. Et on s'est dit qu'au lieu d'organiser, comme on fait souvent, des conférences débats pour un public d'initiés, il fallait sortir dans la rue pour montrer aux citoyens à la fois les dangers qu'il y a actuellement sur la domination de la finance et puis les possibilités alternatives pour s'en sortir. Donc, clairement, on a choisi la place de la République, qui est une place centrale à Orléans, et on a voulu montrer que la République était en train d'être défigurée par la finance, que la devise de la République était en train de devenir une nouvelle devise, cupidité, impunité, irresponsabilité, parce que la République est dominée par les banques. Et le cas le plus net de cette domination, c'est le projet de loi qui va passer à l'Assemblée prochainement, qui est un projet présenté par Moscovici, qui fait semblant de répondre aux engagements de Hollande, aux engagements du Bourget, aux engagements du programme de Hollande, qui est de scinder les banques. Or, ce projet ne scinde pas les banques. Il garde le modèle de la banque universelle, il fait quelques améliorations très marginales qui touchent quelques pourcents à tout casser de l'activité des banques, c'est-à-dire de la spéculation sur les matières premières ou du high frequency trading. Donc c'est un projet qui est un projet qu'on estime dangereux, et comme il est encore temps d'agir, on prend à témoin les citoyens. Et en fait, on essaye d'intervenir auprès de nos députés, de nos sénateurs. On a vu le sénateur Jean-Pierre Sueur, qui est passé tout à l'heure. Malheureusement, notre député PS, Valérie Corr, n'est pas venu. Mais on ira la voir et on lui expliquera les dangers que ce projet de loi a pour les citoyens, surtout dans une période de récession, parce qu'on rentre dans une récession qui peut être longue, qui peut être grave, et ce projet n'a à peu près aucun impact positif pour l'économie française.